Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je m'excuse pour ma tête, c'est qu'il est plus de minuit et demi. Voilà, je suis arrivée à Bastia à 23h30, tout simplement parce que j'ai pris l'avion, voilà. Voilà, je rentre tout de suite de Paris et il faut vraiment que je me dépêche à filmer et à monter cette vidéo pour que vous l'ayez le plus vite et rapidement possible. Parce que de 1, c'est une vidéo qui me tient à cœur, et de 2, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté, donc comment vous dire que j'ai un peu l'archouma sur ce coup. Donc c'est une vidéo haul parce que j'adore les vidéos haul, et comment vous dire que ça fait 2 semaines que je vous ai pas posté de vidéo et 1 ou 2 mois que j'ai pas fait de vidéo haul. Du coup, entre temps, comment vous dire que j'ai pas mal acheté. Donc j'ai découvert un site internet qui s'appelle United Wardrobe, qui est un site comment vous dire, qui vous vend tout simplement des marques hyper pas chères. Il donne tout simplement une seconde vie à des habits, c'est un peu le concept d'un vide dressing. Donc sur l'application c'est assez simple, donc elle est mais d'une simplicité, j'ai jamais vu ça de ma vie, voilà, clairement je vais pas vous le cacher. Vous avez une rubrique prix pour trouver les meilleures affaires, vous pouvez choisir plein de trucs, les couleurs de vos t-shirts. Vous avez vraiment des trucs méga pas chers si vous avez des pulls champions que vous pouvez avoir à 90€ au Stadium ou quoi, et là vous pouvez en avoir pour 40-50€. Donc pour vous dire que c'est la moitié prix et ils ont tout simplement une deuxième vie, donc franchement ça je valide à 100%. Ensuite les frais de port sont compris dans chacun des produits auxquels vous achetez, donc déjà de 1 c'est génial. Et les frais de transaction sont juste sur un panier et pas sur un article, du coup ça c'est également un truc excellent. Donc moi de ma part j'ai reçu quelques produits que j'ai sélectionnés sur leur site internet que je vais tout de suite vous montrer. Voilà, j'ai pas tout mais je vous expliquerai à la fin de la vidéo ce que j'ai à peu près acheté parce que j'ai pas vraiment tout reçu. Donc et pour finir, tout est 100% remboursé si vous avez un problème de colis, si vous avez acheté votre colis et que la personne l'a déjà vendu ou plein d'autres trucs comme ça, franchement vous serez remboursé. Enfin moi de ma part j'ai été remboursée pour certains produits. Donc voilà, j'ai arrêté de parler et je vais tout de suite vous montrer les produits que j'ai achetés sur leur site internet. Donc tout d'abord j'ai acheté un maillot de bain de la marque Calvin Klein. Voilà, comment vous dire que j'aime beaucoup cette marque, c'est une marque que j'aime énormément. Donc j'avais à de base que des sous-vêtements mais j'ai tout simplement voulu essayer les maillots de bain parce qu'ils me tentaient vraiment beaucoup. Du coup pour vous dire, j'ai vraiment pris 2 maillots de bain. Donc voilà, il s'attache comme ceci avec la petite bande Calvin Klein. Il est assez joli, il a dû me coûter aux alentours de 30€ au lieu de 80 il me semble. Donc pour vous dire, j'ai fait une très bonne affaire. Voilà pour le premier produit. Ensuite je voulais absolument un haut transparent pour mettre avec une brassière Calvin Klein ou un bandeau noir, voilà, pour les soirées ou quoi. Donc du coup j'ai pris une tuile, voilà, c'est pas non plus une tuile qui fait vraiment de chouin, genre c'est une tuile assez classe que je mettrais avec un pantalon montant. Voilà, j'aime beaucoup, je crois que ça m'a coûté 5€, un truc comme ça. Donc pour vous dire, c'est vraiment pas cher, ça je l'ai reçu assez rapidement. Ensuite j'ai voulu prendre un pull champion assez large pour dormir, pour être hyper cosy, très cocooning et tout, et pas non plus des couleurs flashy parce que moi les couleurs flashy, comment vous dire que c'est pas trop mon délire. Donc j'ai pris un énorme pull champion, voilà, il est vraiment énorme. Il est trop cocooning, hyper cosy, encore une fois de très bonne qualité. Donc c'est une taille M pour homme, donc pour vous dire que c'est vraiment très oversize. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il a dû me coûter également 30-40€, méga pas cher. Encore une fois, je l'aime beaucoup, il est hyper confortable et je l'ai reçu également très rapidement. Ensuite j'ai vu sur Instagram un pull avec ce logo là et je me suis dit je le veux trop, genre vraiment il a l'air hyper cocooning, hyper cosy. Du coup genre, je l'ai pris en S ou en M, je sais plus du tout, je sais pas du tout où est la taille. Et je l'ai pris en noir, c'est un peu comme un crop top j'ai l'impression, et genre il a l'air grave cocooning, hyper cosy. Du coup je me suis dit pourquoi pas le commander, il devait être à combien quoi, 5€ aussi. Du coup voilà, je me le suis pris, la matière est également très douce, j'aime trop cette matière. Et voilà, j'aime trop. Ensuite je me suis pris un t-shirt de la marque Elise, je sais pas du tout comment on dit. Celui-là je l'aime vraiment d'amour, genre je vous jure je l'aime trop. Donc c'est une taille 8 aux US, je crois que c'est équivalent une taille S pour femmes en France, je suis pas du tout sûre. Voilà, je l'ai pris gris parce que gris ça passe partout, ça va à peu près bien au teint le gris. Ensuite j'ai tout simplement pris un pull champion également assez grand, il a dû me coûter également 30-35€, un truc comme ça, donc méga pas cher, que j'aimerais porter en robe cet été. Du coup genre il est archi long, voilà, c'est une taille M pour homme, voilà, donc ouais c'est un médium. Enfin, c'est une couleur vraiment très simple, c'est les gris avec écrit champion ici, genre
Vraiment, j'aime trop, trop, trop. Je l'ai déjà mise pour dormir et tout. Elle est méga confortable, encore une fois, le tissu. J'aime de fou, c'est une pépite. Et ben voilà, je vous conseille, encore une fois, il a dû me coûter entre 30 et 35 euros, ce qui est vraiment méga pas cher pour un t-shirt champion. Donc ensuite, j'ai tout simplement un t-shirt Kenzo que j'ai pris en gris, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai également porté plusieurs fois pour aller au sport ou plein de trucs comme ça. Parce que, comment vous dire, je peux pas vraiment le porter pour aller au lycée, vu qu'on est tout simplement en hiver. Donc voilà, il devait également me coûter aux alentours de 35 euros, pas du tout cher. Voilà, j'aime vraiment de fou. Ensuite, j'ai commandé un t-shirt Tommy. Le voici, il est vraiment, mais genre j'aime trop 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 la texture parce que c'est une texture velours. Et j'ai voulu le prendre jaune parce que jaune je le voyais nulle part, jusqu'à ce que j'ai une pote à moi, Agathe, qui a fait un musicolis. Et j'ai vu qu'elle avait le même, du coup j'ai pété un câble, j'ai fait c'est une blague et tout. Donc c'est une taille médium, c'est une taille femme cette fois-ci, pour une fois que je prends des tailles femmes. Il est super bien, vous mettez ça avec un boyfriend ou un pantalon taille haute, ça rend mais méga super bien. Avec des stans ou un truc comme ça, franchement je vous promets que c'est hyper beau. Ensuite je vais pas vous montrer, mais j'ai pris des sous-vêtements Calvin Klein, des culottes, des soutiens-gorge, des strings. Voilà, plein de trucs Calvin Klein parce que genre on en a jamais assez, voilà, clairement. Je vais pas vous montrer parce que j'ai tout au sale. Et voilà, on va éviter de montrer mes trucs au sale. Donc du coup j'ai pris une chemise Zara blanche, elle est mais trop bien, genre vraiment je l'aime trop trop trop. Je porte ça avec un pantalon noir taille haute et des Gucci, franchement c'est hyper beau. Voilà, j'aime trop 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 le col qui fait, on va dire, toute la différence par rapport à la chemise blanche. Encore une fois, c'est Zara basique, j'aime trop trop trop, genre vraiment. Et également chez Zara, j'ai pris ce haut là que je mets souvent en soirée. Attendez, je vais vous le montrer parce que ma phobs. Donc c'est un haut avec un petit décolleté et dans le dos ouvert, donc il est vraiment hyper beau. C'est un peu en manche, je sais pas comment expliquer, genre un peu papillon et tout. J'aime vraiment de fou. Ce qui est bien, c'est que on sait tous que Zara également coûte cher et vous pouvez vraiment trouver des hauts hyper beaux Zara à 10-15 euros voire 20 euros grand maximum. Donc franchement je vous conseille vraiment de foncer. Ensuite j'ai un autre maillot de bain de la marque Calvin Klein, c'est en taille L. Voilà, cette fois-ci c'est un basique, c'est un triangle avec écrit Calvin Klein. Il a dû me coûter aux alentours de 30-25 euros, 20 euros, je sais plus du tout les prix. Et on va finir avec tous les produits Fila que j'ai pris. Donc j'ai pris pas mal de produits Fila, je sais pas du tout ce que j'ai eu. J'ai eu une énorme pulsion Fila. Du coup j'ai pris un t-shirt voilà, de cette couleur. Donc c'est un rose saumon, voilà, un truc comme ça. C'est en taille medium, donc du coup il est grand pour faire du sport, pour dormir avec et tout. Pour faire des photos Instagram, voilà, j'aime beaucoup les t-shirts oversize hyper grands pour entrer dans des jeans taille haute et tout, je vous jure j'adore ça. Je l'ai également pris en bordeaux. En bordeaux je trouve qu'il ressort hyper bien par rapport à mon teint. Bon là je suis complètement rouge, comme je vous ai dit j'ai pas du tout eu le temps de me remaquiller pour filmer cette petite vidéo. Donc j'ai également pris en medium il me semble, non je l'ai pris en S cette fois-ci. Je l'ai mis aussi pour faire du sport, pour aller courir ou quoi, franchement la matière est hyper confortable. Encore une fois les t-shirts Fila c'est vraiment les meilleurs. Ensuite j'ai pris un débardeur Fila, celui-là je l'aime vraiment trop trop trop. Comme ceci, ce que je vais mettre, c'est je vais le mettre l'été avec un jean n'importe quoi, avec un short taille haute, ça va hyper bien ressortir avec une paire de Michael Kors ou un truc comme ça, franchement ça ferait vraiment trop trop beau. Et les basiques des basiques, j'ai pris un t-shirt blanc qui est en taille S, voilà je l'aime trop trop trop, il va avec tout, encore une fois avec une paire de chaussures blanches, je pense que je vais le porter avec une paire de Tommy vu que c'est à peu près les couleurs des Tommy. Et un t-shirt gris, voilà j'aime trop 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 ce t-shirt. Ils sont hyper confortables les Fila, c'est pour ça que j'en ai vraiment acheté pas mal. C'est que c'est ma marque préférée, voilà clairement Fila, Tommy, c'est mes bébés. Donc j'ai pas tout reçu, du coup ce que je ferai c'est que je vous présenterai tout sur Snapchat, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai enlevé mon ancien compte Snapchat et je vous ai donné mon public pour être beaucoup plus proche de vous, pour vous mettre pas mal de snaps tous les jours. Je vais essayer d'ouvrir mes snaps une fois par semaine. Voilà, pour que je puisse vous répondre et vous parler. Ce qui fait que là, je dois avoir... J'ai pas du tout beaucoup de vues. J'ai pas du tout beaucoup d'abonnés sur mon nouveau compte Snapchat. Du coup, mon nouveau compte Snapchat, je vous mets dans la barre d'infos. Je vous mets peut-être sur l'écran également. Et je présenterai également sûrement les nouveaux produits que je recevrai de cette marque. Dans un prochain haul, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie de ce haul. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous aime vraiment très fort. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous !